Salut à tous, dans cette vidéo je suis en train de vous parler depuis ma chambre d'hôtel qui se trouve à Shinjuku, donc à Tokyo au Japon, parce que j'y passe une dizaine de jours pour mon travail, c'est-à-dire qu'avec TV Paint je vais faire des formations dans des écoles, je vais filmer tout ça, je vais faire des interviews en vidéo avec des studios. Si vous voulez suivre tout ça, je poste des stories sur le Instagram de TV Paint, des photos, des vidéos, plein de choses, et les vidéos YouTube arriveront d'ici quelques temps. Au moment où je tourne la vidéo, on est mardi soir, je suis arrivé dimanche en avion à Nagoya. On a passé la journée là-bas, on a été voir une école pour faire une formation. Je vous mets quelques images de ce que j'ai filmé, j'ai pas filmé grand chose en tant que vidéo perso, mais j'ai mis des stories Instagram et j'en mets régulièrement. Et surtout ce soir je me suis décidé à commencer enfin mon propre défi, surtout que c'est le moment idéal parce que mon défi, si vous savez pas, ça consiste à faire un point rouge et ensuite imaginer une idée et décliner plein d'idées à partir de ce point. Donc ça peut être on va se mettre d'accord là-dessus, je bug dans tous les pays. C'est donc de décliner ce point rouge en autant d'idées que possible. Donc j'ai ouvert mon carnet, j'ai chopé mon stylo qui est où ? Mon promarqueur, et la première page, c'est le drapeau japonais, parce que c'est même pas fait exprès, mais le point rouge, le fond blanc, c'est le drapeau japonais. Vous voyez là quelques dessins que j'ai fait tout à l'heure, donc j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, j'ai passé peut-être 10 minutes à quart d'heure juste pour dessiner un peu. Je vous avoue, sur le jour précédent, j'ai pas eu le courage de prendre le temps de faire du dessin, donc là je me suis dit, allez, tu prends un petit peu de temps, ça passe, demain tu te lèves pas trop tôt. Et j'en profite pour vous montrer un peu tout ça, et puis vous dire que ça se passe bien ici, que je tourne quelques images, tout ça, et que c'est cool. Pour l'instant, mon dessin préféré c'est celui-là, même si je pense que le ballon est un petit peu trop bas, ça montre pas trop le côté, genre je l'ai jeté, il est déjà en l'air, décidément. Je vais m'arrêter là parce que je commence à fatiguer, il est quasiment minuit au moment où je tourne. En fait, il est 11h. Et au passage, vu que je parle de TV Paint, je vous mets un lien ici vers la playlist interview que je fais sur la chaîne de TV Paint Développement où je parle avec différents artistes de la façon dont ils font de l'animation, de la façon dont ils ont appris, de la façon dont ils apprennent encore. Cliquez là, c'est des interviews qui sont en anglais, mais si vous maîtrisez ou si vous avez envie d'apprendre, ça peut être intéressant parce qu'il y a des termes techniques de l'animation à l'intérieur. De mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il n'y en aura peut-être pas dans les jours qui viennent parce que forcément, je suis encore en déplacement et on fait plein de trucs toute la journée, donc le soir, je suis un peu mort. Mais je reviens très vite et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.